là c'est femme haïtienne là. OK? Depuis femme haïtienne là, tu as voulu montrer, ils ont une expérience là font bagaille. Ça sont gâchiré. Pas forcément. Gâchiré ça papa. Ça sont limena. Non, oui, ça sont limena. Non, c'est pas vrai. Limena ça a trop fort pour moi papa. Mais ils se plaignent de ça, ils se plaignent. Mais pendant ce temps, même garçon haïtien ça plaint justement de performance sexuelle madame. Il dit mes amis, c'est pas vrai. Femme, attends. En pile fois, on entend des garçons haïtiens qui cherchent femme pour marier. Le dit comme ça que pas besoin de femme qui a trop expérience ça papa. Baba, écoute. OK? Femme ça a trop pour moi. OK, mais on parle de l'homme moderne haïtien, l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, aujourd'hui, côté que garçon lui-même expose dans ces deux bagages et que le monde a changé tout femme du haut. Mesdames haïtiennes, tout qu'on y a là, on l'autre temps d'ailleurs, beaucoup plus ouverte qu'on y a. Beaucoup plus ouverte qu'avant. Donc, garçon haïtien qu'on y a là, livré au moins qu'on est que, li pas pral, même si, pour lui-même, pour raison morale, pour statut social, il a marié une madame qui gardait non, ti mamè, mesdames l'église, bon, excusez-moi si je me dis mesdames l'église, et pas que forcément, on va mauvais la donne. Mais mesdames qui ont une certaine pudeur, à nous dire une certaine moralité, qu'on ne sait pas faire. Même les oufels. Et c'est là. Oui, mais et ben c'est là justement. Mais ces hommes, ce qu'ils font, ils vont à l'extérieur justement pour se satisfaire. Pour satisfaire Fantasio. Pour même Fantasio, pas les bad garçons, mari garçon. Mais ça m'a fait tout ça. Et vous qui êtes moi, prends un exemple. Moi, prends un exemple extrême encore. Moi, mal pour un exemple extrême, c'est pour nous faire différence. Mais les cas dans n'importe qui, c'est simple, Mabdjo. Non, c'est normal qu'il n'a pas les là. Bon, Valéo, comment on tout le monde est normal. Ok, on nous quitte les bad garçons, mari garçon, l'homme et ça. Non, c'est pas ça. Ou mal pour un exemple. On y a là, on nous parle par exemple. Et côté que femme, différence entre femme haïtienne, pas vrai, et femme étrangère. C'est là que c'est ce que je fais. Regardez, une femme haïtienne levée, qui ça le fait en pile fois, il fait breakfast pour Maril. Femme étrangère, là, lui-même, il doit coucher la cabane, n'est-ce pas pour breakfast dans la cabane, non, bah. Non, bah, oh, yes. Femme haïtienne, attendez, oui. Laisse le Maria et pour te breakfast pour moi dans la cabane, vous allez parler. Qui gâche, c'est ça. J'ai les mamans. Oh, maman, hé, maman, hé. Faut bon manger pour porter breakfast. Mais faut manger pour manger pour moi, non? On va gagner la carrière là pour me passer vite pour. J'aime dire qu'on a pour des petits breakfast pour lui, non? Écoute. Breakfast in bed. On va faire ça quelques temps. Omelette. On va faire ça quelques années. Oh my god. Ah oui. Oh, on va faire ça quelques années. Mais quelques années, on va faire ça. Bon raison pour ça. Ouais, ça m'a dit non. Justement, parce que. Y'a soit ici, elle est tellement au fond, mais je vais continuer. Parce que faut que. Faut le faire. Parlant pile dans tête négla, c'est ça qui fait que gain de fois, gain conflit qu'on y a là en deux cas là, côté que garçon l'est venu pour dire ce travail bien dû. Tandis que femme étrangère là lui-même, guess what? Okay. She may talk about other things. Si une conversation différente approche là. Pas même conversation, approche étrangère là différente de approche haïtienne. Attends, fille. Oui ou non? Attends-moi. On dit comme ça que par exemple, garçon sont travailler. Faut que garçon haïtien dit que femme haïtienne bien, c'est pas l'empile dans oreilles. OK. OK, garçon haïtien dit comme ça que femme dans les oreilles, c'est pas en pile dans les oreilles. Oui. Eh bien, toute femme haïtienne, c'est une équipe femme folle qui dresse à parler en pile pour sans raison. Oui. Et ça ne veut dire. Mais il y a un mot de parler en pile. Ah, non. Et dis-moi, réponds-moi. Alors, les femmes haïtiennes sont des folles. Néglant, mit vini, parce que nous, toutes nous folles, mesdames, depuis Néglant, il y a 40 ans, nous avons pour nous faire encore. Okay. Néglant, tellement bon garçon, il traite nous bien, il va faire rien qui mal, mais nous n'avons rien pour nous faire que parler en pile dans les oreilles. Et comment comprendre que femme étrangère lui-même agit différemment. Comment? Avec même nèg ça. Parce que l'homme haïtien agit différemment envers la femme étrangère. Pas forcément, Baba. Yes. Pas forcément. Yes. Pas forcément. C'est deux bons faire bonbon. Non, mais c'est pas forcément vrai. Exactement. Il faut admettre aussi que femme haïtienne au niveau culturel. Attends. Il faut admettre que femme haïtienne au niveau culturel, au niveau culture, au niveau genre levé. Les gens genre levé qui fait que le bail justement, comportement ça que m'a parlé là. Comportement ça qui dérangeait justement l'homme haïtien. Attends. Faut d'accord qu'au niveau culturel, femme étrangère elle-même ont l'autre approche de femme. Ont éducation de femme que Bali. Ont conception de femme que le gain qui est différent de femme haïtienne. Oui. Vous comprenez?
Oui, oui. Je te dis qu'au niveau culturel, par exemple, femme haïtienne en levée, qui ça louait devant? Qui ça louait devant? C'est pas, Ndaradi, c'est son tradition orale, lui qui a continué. Sa maman, grand-mère, qui a fait, avec papa, ou bien grand-père, c'est même pas là qui a fait, qui a continué, fait avec papa. Eh bien, ou bien raison, oui. Sa maman, elle a fait, à papa, ou bien grand-père. Et parce que grand-père n'a pas de bon, papa n'a pas de bon, mon oncle n'a pas de bon. C'est pas forcément vrai. C'est justement, c'est même traitement, t'as baillé ni maman, ni grand-mère, qui fait fille, t'as whining. Ou dit femme haïtienne, mais pas l'empile. Et soit dit. Dire, oui, je parle de ça parce que spécifiquement, c'est une bagarre que reprocher femme haïtienne en pile. Et bien, moi-même, je dis toujours en nom de femme haïtienne. Femme haïtienne parle en pile parce que garçon haïtien pas fait ça, vous supposez faire. Mes amis, garçon haïtien okay? Pas. Attends, exactement. Femme haïtienne pas folle. Oui, mais garçon haïtien pas foutre, non, il fait dire ça. Femme haïtienne, garçon, nègre ne doit pas dire rien pour dire. Nègre pas grand, il a fait, il pas fait rien, il pas fait mal, il pas réglé, il pas l'ichita là. Femme n'a pas arrêté de commencer par l'empile. Est-ce que vous comprenez? Il y a un aspect. C'est pas tout le monde qui a mis de paraître. Il y a un aspect culturel. Est-ce que moi, tu commences par l'empile? Il doit avoir quelque chose pour commencer par l'empile. Bon, fait point, Baba. Gros aspect culturel là-dedans. Côté femme haïtienne, vis-à-vis de nègre, gros attitude, les gagnants. Bouchant mélangueux. Ou même mauvais mélangueux. Attends, bon, fini. Bon, femme du. Femme haïtienne, gros bail. Gros tradition que qui était, qui sortit depuis dans maman, grand-mère, qui vient jouer ni même le lycée aux États-Unis, ni à l'étranger. Il continue la tradition. Comportement, même genre, même monsieur. Et puis, gros attitude vis-à-vis de nègres haïtiens. Est-ce que tu comprends? C'est pas attends, bon, fini pour nous. Tandis que fille étrangère, là, il est venu dans l'autre milieu. Un milieu qui peut-être te au niveau social, même financier, tu un peu mieux qui fait que maman vis-à-vis de lui-même te montre elle pour le papa venir, lui aller dans bras papa, là, recevoir papa. Donc, il éduqué en façon pour recevoir Maril différemment. Comment il s'est sorti dans la misère, dans la saleté, dans peut-être problème, et m'a dit social, pression sociale que tu as gagné, lui, où est tradition, vini joindre, les maris en vini, lui, mauvais, lui, ont leur attitude, lui, ont leur prédisposition pour recevoir néglant. Est-ce que vous comprenez? Parce que femme étrangère, là, femme étrangère, que c'est blanche, en bien, ou l'autre, culture, on nous dit, surtout les blancs, l'élevage, ça, il pas joué, il pas joué une tradition, ça. Eh bien, je vais t'expliquer. Elle a été élevée différemment. Eh bien, attends, est-ce qu'on parle différemment vis-à-vis de son homme? Attends, laisse-moi t'expliquer aussi. Et si ce homme haïtien, il a pas le même comportement. Cet homme haïtien dont tu parles, avec même forme haïtienne, ça, pas vrai? Ce même homme haïtien, guess what? Il doit aller là le travail pour le payer, bill le là. Il entre, attends, il entre, madame nous fait manger, il lave assiette. Il est là avec femme étrangère, là, oui, il a le travail, il lave assiette, ok? Après ça, le cabaye fait un petit massage. Garçon haïtien fait ça. Je suis à garder, oh please! Baba, garçon haïtien fait ça. Pas toutes! La majorité d'hommes, pas toutes, Valérie, alors, le monde qui comprend. On nous dit que. Attendez, il y a différentes générations, tout qu'on a parlé là. Tout. Voilà. Ok? C'est exactement. Il y a une génération moderne, garçon, qui peut être dans les 20s, les 30s, voilà, garçon up to their 40s. Garçon longtemps, pas les garçons comme ça. Yo pa ka d'accord avec parler de l'homme haïtien avec femme haïtienne, nous pas arrêter l'entente kounien, nous pas le général. Mais on essaie de sujet parce que on parle de style de garçon. Bon temps qui évolue avec tradition, avec mœurs. Non, faut nous parler en général, nous pas coller sous seul. Oui, attends, mais quand même faut le timing là parce que mœurs garçon haïtien dans le passé pas salié aujourd'hui. L'homme haïtien est différent aujourd'hui que celui de hier. Faut d'accord avec moi. Et c'est ça qui fait comportement ça va dire là, il pas décrit garçon haïtien vrai. C'est pas vrai pas comme ça garçon haïtien vraiment. Garçon aujourd'hui on a parlé là de lui. Alors, si je veux prendre des commentaires, puisque bon, évidemment, moi, on a avancé. Moi, j'essaie de voir aussi si c'est faux ou bien ça marche. Non. Pour moi, je ne vois rien là. Non, apparemment, ça devait marcher. But it looks like it's still on, right? Oui, apparemment. Qu'est-ce que je fais? Je sors, je retourne. Bon, ouais. Ok, laisse-moi retourner. Oui, il y a moi qui dit, Baba, bien parlé. Ok, Valérie, you are so wrong. Ok, we back. Mais, ok. Mais, je pense que, faut aller tout avec. Contexte, ça, je pense que nous deux nous déphasons. Parce que, dans le contexte, on va parler, on va parler de l'oyer. Et au même tout, dans le contexte, quand on prend un sujet à l'âme, je que c'est là que je vais rejoindre la donne. Parce qu'en réalité, je parle moi des hommes. Pourquoi ça m'a parlé moi-même de. Bon, je vais pas parler de moi, je vais parler de garçons haïtiens, contemporains pas mieux. Okay, parce que je ne vais pas l'autre référence. C'est la référence que je vais. Je ne Oh, ok, là, voilà. Oui. C'est référence garçon, même époque avec eux. Comme bien, garçon haïtien, je dis, pas de comportement, soit dire, c'est pas longtemps, pas de grand monde longtemps qu'il a fait. Aujourd'hui, l'homme haïtien est différent. Il commence à approcher avec femme, là, avec femme haïtienne. Et puis, si on parle de femme, pas bien que nous avons un sujet, puis si on parle de femme haïtienne et femme étrangère, les femmes étrangères, elles-mêmes, puisque je parle de femmes, je dis, en tout cas, remarquez tout, baba, dans peut-être, bon, monde que nous gagnons dans l'entourage, nous, qui a parlé.
femme haïtienne, elle est très frustrée, oui. Mm-hmm. Au départ, elle a un problème, oui, avec garçon haïtien. Pour qui ça au départ, attends. Pour qui ça d'après vous-même, une femme est frustrée okay. avec un homme tout bagaille qui fait tout ce qu'il doit faire. Ma chère, on essaie, c'est soit nous pour un scénario qui est parfait, qui est parfait, puis nous-mêmes faisons une discussion là, ou bien nous prenons un scénario côté que, on nous dit, femme haïtienne, par tradition, dans plein de garçons haïtiens, parce que folle plein de garçons haïtiens, parce que l'élevé dans la mentalité de garçons haïtiens pas bon, comprenez-vous? Puisque dans le milieu ça, dans la mentalité de garçons haïtiens pas bon, donc il la donne, il plein de lui, il comporte comme ça. Donc à ce moment-là, soit dit à là, justement, on va prendre le même résultat. Oui, c'est garçon haïtien qui fait que fille lui-même va pas agir comme ça. Oui, c'est garçon haïtien qui la cause. Tandis que parfois, et peut-être même dans la majorité des cas, c'est femme haïtienne. Dans le comportement, dans le genre fait, dans le genre recevoir, dans le genre répondre, qui commençait justement problème, qui commençait à entrer dans la problématique en confrontation garçon haïtien à femme haïtienne. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de Nana fait comparaison, femme étrangère qui n'est pas dans la culture, ça, qui déjà a priori, déjà prédisposée dans la tête, dit que garçon haïtien n'est pas bon. Parce que ce que tu vois qui se passe, toutes les femmes haïtiennes qui ont parlé, même peut-être qui sont sur le forum, alors qui sont sur live, peut-être l'autre que nous connaissons, ils ont toutes, a priori, en général, ils ont généralisé, garçon haïtien pas bon. Ils ont parti de mentalité ça. Mentalité ça basée de l'expérience que tu as fait déjà, ou expérience que parents ont fait, prédécesseurs, monde qui était là avant, ils ont fait, ils ont transmettre, ils ont et puis eux-mêmes, ils ont été avec mentalité, ah, garçon haïtien pas bon. Pourquoi l'homme haïtien ne sait pas d'être. Attends, plus... on va y venir. Attends, c'est pas la sujet, on ne va pas parler de garçon à femme haïtienne, on va parler de femme haïtienne avec femme étrangère. Attends, je vais y venir. Je vais y venir. Dans attends, dans l'équation, bon, finir avec, je vais poser l'équation. Donc, femme n'a pas partie de mentalité que garçon haïtien pas bon. Lorsqu'on est avec mentalité, lorsqu'on déjà commencé relation avec mentalité, garçon haïtien pas bon, eh bien, déjà en partant, lorsqu'on déjà qu'on est garçon haïtien pas bon, eh bien, on commence dans la dynamique garçon haïtien pas bon, on prend toute disposition pour qu'on fonté en bas qui pas bon. Tandis que femme étrangère elle vient rencontre un garçon haïtien, il pas sorti dans mentalité garçon haïtien pas bon, il pas connait, pas fait expérience, maman pas dit ça et ma tante il pas dit ça, il pas non milieu côté qui a parlé de mal de garçon haïtien déjà. Donc il vient avec mentalité parlant ouverte, il n'a dit ouverte tellement que il déjà paré pour l'accepter n'importe qui ça. Donc réceptivité bon fini pas dit ça n'importe qui ça femme étrangère accepter n'importe qui ça sans... parce que garçon haïtien pas balle n'importe qui ça bon fini non okay. bon fini fait point net bon fini fait argument bon fini poser argument dans net il aime fini m'a dit bon fini essayer répondre sous capable moi je femme étrangère lui-même puisque le vini a une mentalité qui déjà pas souillé avec mentalité que tout garçon haïtien pas bon lui vini beaucoup plus réceptive lui vini beaucoup plus gentil vini avec bagage balle pour recevoir ça que nèg ça. En dépit que l'haïtien, ils sont garçons avant tout, ils sont garçons avant tout. Sans que l'on nationalité qui a étiquette pas bon la donne. Donc, il est ouverte. Donc, garçon haïtien, l'aile recevoir, c'est comme ça qu'on vient sous lui. C'est Jean Vigneux recevoir, oui. Ah, Fissa vient sous lui comme ça. Donc, ils ont leur comportement vis-à-vis de Fissa. Mais alors, il faut te dire. Est-ce que tu comprends? En pile fois, tout va aller au yo. Soit dit, je suis d'accord, parce que dans pile. Il faut maïsser dans ce type de mentalité. Si on a parlé de garçon marié à fille ou bien ensemble, dans pile fois, on a dit que OK, il y a deux fois mon nan depuis la date mon nan il est en ouais des choses de garçon haïtien ça. Mais pour diable mon nan pense que là il vient marier, hein, on comprend? Peut-être dit qu'a changer mon nan ou bien mon nan a traité mieux ou pas l'aise. Mais par contre m'a dit garçon haïtien depuis le rien ma fille, on vient de leur commencer à faire ça que pas ça. Non. Attends, où connaît bon jour ça m'a fille. Fille style insister gagne leur marié avec eux. Gagne de garçon, où connaît Valérie on pas bon mentir. Gagne de nous pas dit toute relation, par contre qui pourcentage on ta mettre. Mais quand pile relation mariage ou bien relation garçon haïtien à femme haïtien, OK, qui pas supposé là aujourd'hui ou bien qui pas supposé de ça nèg haïtien fait femme haïtienne, OK, I'm serious. Et vous capable prendre même quantité ça mettre avec femme étrangère, il a prêté à femme étrangère mais femme haïtienne faut ta quitter nèg ça. Voilà, bon, moi-même parce que traitement yo pas même genre. Me saute argument me saute faire là m'a pour faire encore. Ma pour refaire avec on peut-être on l'autre on l'autre formule mal pas et même madame Brady mais moi j'ai audio en l'autre façon parce que m'a pas comprendre ça me dit là et peut-être que mon yo peut-être me souhaiter que vous comprenne moi-même ça me va le redire encore une fois la femme haïtienne de son adolescence à ce que jusqu'à ce que le vie nous femme non il est tellement joué dans entourage l'autre femme l'autre groupe de femmes qui dit que garçon haïtien pas bon que lui-même il vient grandir avec une perception. Une perception, une mentalité que garçon haïtien pas bon. Donc, il paraît pour l'attendre à confronter un bagage qui pas bon. Bien que la pente en relation avec garçon ça, il remet garçon ça, il est d'accord pour le marier avec lui. Avec des têtes, perception ça qui
et qui est imprégné dans le subconscient, à savoir, attention, attention, garçon haïtien pas bon. D'accord. Attends, bon, fini. Je vais vous faire argument même genre, je vais vous l'autre mot là-dedans, si vous voulez, pour qu'elle comprenne moins bien. Tandis que femme étrangère enlève vini, dans relation ça avec même garçon haïtien ça. Il pas venu avec background ça. Subconscient pas gain ça la donne que garçon haïtien pas bon. Elle a un homme devant elle. Donc la bra dit la nègre là en conséquence de cause que mariage que bah relation passé mal ou pas mais elle connaît que a priori la dit là avec un garçon avec un nègre pas avec un garçon haïtien pas bon. Est-ce qu'on comprend côté mien avec vous? Tandis que la mentalité générale des femmes haïtiennes sont bah qui des têtes yo dans quelque part dans manyo dans brenyo. Tout le monde d'accord yo dit en général. Ah, garçon haïtien pas bon. Est-ce que tu vois? Donc, il y a entré dans une relation. Tu veux dire qu'il y a une relation, un garçon haïtien pas bon. Avec des préconçus. Et même, ma bagaille tout. Il y a une idée préconçue déjà. Voilà, garçon haïtien tout entré dans une relation, knowing que femme haïtienne ne peut pas prendre toute BS. C'est pas vrai, Baba. Ok? Exactement. Et c'est ça qui fait une confrontation, ça. Parce que garçon en tout lui-même, il ne peut pas mettre long gens, ok, pour le conformer, quoi, pour le vivre à fille, même gens la vivre avec femme étrangère. It's true. It is the truth, Valerio. Parce que garçon haïtien connaît que, ok, femme haïtienne, non, li met fait le passé, tout ce qu'on est, li pas supposé faire, femme haïtienne n'a toléré la place. Nous disons ça, garçon haïtien, ouais, femme haïtienne, t'as c'est maman. D'ailleurs, y'a une femme, un garçon haïtien, il est marié, fille qui t'avait semblé à maman. Pas physiquement, non, mais quand même, non, genre. Si maman, c'est mon qui t'aime bon à manger, ou à chercher femme pour bon à manger. C'est la même chose pour les femmes haïtiennes. Ok. C'est papa qui a cherché, non, chez nos garçons haïtiens. Jamais. Ah, en pile fois écrasé, y'a femme dehors, calé, si vous levez sans papa. Attends, attends. Valérie, laisse-moi le dire. A chercher papa. Y'a qui levez sans papa. Ouais, soit bien. Plus maman que papa. C'est pas vrai. Soit bien là, pas de nationalité la donne. Soit dit la nationalité, c'est ce qu'on appelle le complexe de deep. Fille, petite fille, pendant le berceau, qui ça le connaît, qui genre le premier sentiment qu'il y a, c'est vis-à-vis de papa. Le petit garçon, tout le pleuvé, toujours le complexe de deep, ça c'est en psychologie, en psychanalyse. Freud a décrit. Un appel. Petit garçon, tout depuis le bébé, et bien, premier, on a dit, relation, c'est avec maman. Donc, soit dit, il n'est pas valable dans ce sens-là, dans la discussion, ça n'a pas fait là, de garde de femme haïtienne avec femme étrangère. Faut, m'a quoi c'est là, pour aller. Moi, je pense que, il y a une particularité culturelle, tout à l'heure, une particularité culturelle, qu'il y a femme haïtienne, non. Que toute femme d'accord, nous toutes là, qui a parlé là, qui a gardé là, dans le moment, mesdames haïtiennes, nous toutes, derrière tête, nous déjà connaissons que garçon haïtien, il n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Garçon haïtien. Nous tous qui rentrons. Oui, nous tous dans la logique. C'est-à-dire que nous avons un momentum de mentalité même. Nous prenons femme haïtienne qui dit que garçon haïtien n'est pas bon. Nous prenons, et pas vrai, pas toute femme haïtienne. Il y a exception. Même si ça, mais nous dans le milieu, c'est-à-dire que dans l'entourage, nous imprégnons de cet entourage, nous pensons de garçon haïtien. Donc en partant a priori, nous déjà connaissons que garçon haïtien n'est pas bon. C'est ça qui fait ma vie, il faut faire différence, Barbara. Femme étrangère n'a pas d'entourage, ça lui-même. Là, elle vient avec un garçon haïtien, elle vient avec tout cœur, elle vient ouvert, elle vient avec. Attends, I'm going to tell you something too. Femme étrangère là tout Valerio li vini tout avec attitude li tout. I am not taking no shit from this man. Non, excuse my French. Non, Baba, exactly. Non. Exactly Valerio. And she's not going to take the shit from you. Because I'm going to tell you something. Femme étrangère là pas le travail, you're going to have to work honey because she ain't going to struggle to pay the bills while your ass is laying in bed. She's not going to do that. Femme étrangère là pas accepter pour bal coup. Après les 911 pour où? Femme étrangère là pas accepter. C'est lui qui pourra cook matin, midi et soir. You're gonna have to help too with the house chores. Femme étrangère n'a pas accepté pour lui-même, ok? Pour virer derrière. Parce que garçon, c'est ma bon exemple. Par exemple, il y a douleur qui était femme, qui était petite. Femme étrangère, as you leave the door, she's calling on your ass to pay for child support. Ok? There's a lot of stuff I'm telling you. When I told you that, femme étrangère, c'est yok montré femme haïtienne, ok? Une série de bagailles. You better believe me, my friend. Because okay. Femme haïtienne, nous sommes tous des tolérantes. Parce que nous agissons comme c'est maman nègre. Donc nous tolérons comme c'est pas que petit garçon que nous gagnons. Et c'est ça qui fait que nous battons nos femmes dehors. Nous battons nous. Nous ne pouvons pas payer bill. Nous ne pouvons pas le travail. Nous ne pouvons pas faire. Nous faisons qui bagaille. Parce que nous, chita là, nous tolérons. Femme étrangère, nous ne pouvons pas tolérer. Ou tu me donnes mais raison. Mais nous aimons femme étrangère. Ou bonne raison, en quelque sorte. Ou bonne raison, en quelque sorte. Parce que justement, femme haïtienne, soit dit là, les sorties dans la culture, c'est tradition, ça. C'est tradition. C'est comme ça, le level pour traiter garçon haïtien. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Tradition, ça pas bon pour nous-mêmes. Que le pas bon, ça c'est problème, pas nous, mesdames. Mais femmes étrangères dans lui-même, puisque même en dehors du sujet à chaque fois. Moi, je remets dans le sujet. C'est vis-à-vis de femmes étrangères. Femmes étrangères dans lui-même, ils viennent avec une autre tradition. Ça veut dire que lui-même, il ne va pas venir avec toute tradition que nous-mêmes nous gagnons, nous, mesdames haïtiennes. Nous venons nous-mêmes avec idée préconçue. Garçon haïtien pas bon, garçon haïtien cheat, garçon haïtien 10, garçon haïtien date. Il va faire nous. Attends. Garçon haïtien va aimer plusieurs femmes. Tout garçon, c'est. Écoute, il s'agit.
ou même mon nationalité, moi dire qui j'ai mentalité haïtienne non affecter relation vis-à-vis dans l'autre nationalité. C'est ce que je veux dire. Alors de nationalité pas nous puisque c'est haïtien, mais vis-à-vis nos femmes étrangères, les pas même genre femme étrangère a dit différemment et on se dit tout à l'heure là que femme étrangère a parlé bien de garçons haïtiens. Pour qui ça? Parce que mesdames, ça n'est pas venir avec une mentalité préconçue. Parce que vous marchez sous pinga, vous pas non, c'est pas vrai. Mais c'est encore une fois, expliquez au là où gens pour comprendre. Voilà ce que je veux dire. Baba, sous une habitude, l'or petit, l'or t'es levé, l'or t'as levé, yo dit baba, le matin, mais qui ça pour faire? Mais qui gens et mais qui comment pour faire? Ou levé comme ça, tout vieux. Ou vie nos femmes, donc tradition, ça côté apprendre. La caillou, côté que la caillou, maman, t'es Dieu, mais qui ça pour faire, on fait manger pour Mario, mais qui j'en pour servir Mario, faut une bonne femme. Ou ap vin ou femme demain, ou ap essayer faire même genre. Est-ce que tu comprends? Ou vin avec tout bagage culturel, ça, bagage, m'dakadi, et bon, son tradition qu'on apprend la caillou. Femme étrangère, il même pas gagné elle. Gagné, c'est sûr et certain qu'on n'a pas l'étranger en général. Mais femme blanche, pas rencontré Mhafoué. Qui tradition garçon haïtien apprend pour femme haïtienne lui-même? Attends. Bon, définis ça bon moi. Parce qu'on se dit, mais ça nous-mêmes, femme haïtienne, nous petits nous apprenons. Faut nous te marier, faut nous soumissive, faut nous ceci, faut nous cela, tout ça pour nous faire des nègres, tout be nice. Bon, qui ça yon apprend garçon haïtien lui-même vis-à-vis de femme haïtienne? Mais ça yon apprend garçon haïtien. Yon apprend garçon haïtien pour lever pour le travail. Pour lui-même, pour c'est lui-même qui provide, c'est lui-même qui chef du foyer. Okay. C'est lui-même qui boit le travail, c'est lui-même qui goûte que famille. C'est lui-même qui éduque petit lui. Okay. Et garçon haïtien, les relever la caille, petit, les la caille, traditionnellement, garçon haïtien, c'est lui-même, il fait comme d'ailleurs, c'est lui-même qui prend toute responsabilité, protéger famille, hein? Assurer sécurité sociale, financière de famille, hein? Et lui-même prend responsabilité vis-à-vis de toute menace qui a venu vers famille, ça. C'est ça, garçon haïtien. Est-ce que vous faites? Oui, en majorité, au fait. Ou même on parle de spécificité. Non, des cas, moi je parle en général. Garçon haïtien qui le vend en Haïti, dans famille traditionnelle haïtienne, qui depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, continue à éduquer, et bien famille, dans le foyer, c'est comme ça le vêtit garçon haïtien. De adolescent jusqu'à ce qu'il vienne grand. Et même monde qui peut-être pas gagne moins qui peut-être pas gagne des ouvertures sociales, c'est comme ça le petit garçon. Petit garçon il est levé d'abord lui-même au départ il connaît que faut la dans jardin. C'est lui qui va planter à papa, c'est lui qui prend responsabilité. Tradition ça là de l'homme haïtien, un homme travailleur, un garçon qui lui-même levé avec des traditions, avec une mentalité de garçon qui est en charge, qui est responsable. Maintenant, vis-à-vis de femmes haïtiennes qui viennent modernes, qui voyagent, qui viennent ici aux États-Unis, faut nous dire, il est affecté par, eh ben, nouvel ordre mondial, ça, qui permet que femmes dans lui-même camper pour le faire. Pour dire garçon, que Wally en tant que femme changer. Les données ont changé parce que mal étranger, moins dans notre système, moins dans notre mentalité. Et je vais te dire, si on retourne à la brousse, si on retourne aux cases, à la case africaine, côté que à la mamater, côté que eh ben racine nous t'es Ndakadi c'est là nous sorti, eh ben racine ça, racine culturelle et traditionnelle, c'est ancestral ça, fait nous connaître que femme non justement, les ont un rôle spécifique dans le foyer. Mais qui j'ai un garçon en lui-même, lui gagne, parce que d'ailleurs, c'est lui qui sera, Eric Palvin, roi village, hein? C'est Eric Palvin, chef village, hein? La femme elle-même, évidemment, à ses côtés, a son rôle. Donc, pour revenir sur le sujet, femme étrangère, elle vient dans la relation, ça, avec ça. Avec ça, qui est en Afrique, qui vit en Haïti, qui est haïtien, je dis, là. Elle vient dans la relation avec lui, elle vient avec une autre mentalité. Elle pas venir avec toute mentalité, c'est qu'elle, ça, que nous gagnons, non? Côté que nous-mêmes, femmes haïtiennes, nous connaissons, garçon haïtien pas bon, garçon haïtien pas petit, garçon haïtien pas fait 10, pas fait date. C'est comme si son mentalité, elle vient avec elle, nous porter dans bag, nous avec bagaille ça dans relation. Qu'est-ce que ça pour garçon haïtien fait? Tandis que femme étrangère n'est pas venue avec elle parce que pas gagné, il pas levé comme ça, il pas donné ça, il pas donné ça son entourage. Bonjour bagaille. Si une femme haïtienne n'a pas même femme haïtienne soit disons dit qui vient avec bagaille ça. Pas vrai? Côté que garçon haïtien pas bon. Et puis rencontre un nègre haïtien justement qui bon qui traite elle bien. Ah, n'a pas un exemple de problème. Menti. En pile problème. Ou menti. Parce que pour ça me dit menti. Mal pour ça pas problème. Tout autant, nègre fait ça, le supposé fait normalement. Nègre fait tout ça. C'est parce que justement, en pile fois, il commence à voir belle devant. Non, nègre fait. Et puis c'est l'or entre au bras. Nègre fait tout ça. C'est l'or, il faut voir qui sont. Mentalité ça qui. Mais c'était belle devant. Mentalité ça qui est ancrée en dedans, en dedans subconscient femme haïtienne. Parce que regardez ça nous dit nous-mêmes. Traditionnellement, et même peut-être, bon, on a dit, sous gardez là, dans le message qui a bail là. Tout le monde a dit, oui, garçon haïtien, c'est vrai, il n'y a pas bon, il dit ça. Ou après que son mentalité, son bail qui ancré même dans la jeune féminine haïtienne, côté que pour nous-mêmes, son statu quo, garçon haïtien, pas bon.
Est-ce que vous comprenez? Là, nous venons à la mentalité, ça, nous prédisposer pour nous venir avec elle. Eh bien, nous venons sous, nous camper sous la défensive, oui. En même garçon, ça, nous venons sous la défensive. Et c'est ce que je veux te dire, femme étrangère, là, pas gagné, il pas venir à toute bagarre, ça, parce que, il pas qu'on est garçon haïtien comme ça. Il vient en relation avec un nègre. Un nègre qui lui-même, et vous t'avez dit tout à l'heure, qui a prêté le bien. Parce que rapport que l'établit avec ça, pas basé sur des séquelles de mentalité. Côté que, a priori, ou déjà qu'on est avec ça, pas bon. Moi, je te dis, garçon haïtien, depuis le prend forme étrangère, là, ok? Je t'ai expliqué, je me fais expliquer pour qui ça. En partant, Mme Djoumagay, ou après, par exemple, Nègle Maria Fia, moune pas jamais connaît pour le menon et la Alfonti, ou comprenne, à l'ombre de chaud. Mais okay? Menègle Maria, là, d'après vous? Attends, ouais. Ou la mec, je menègle Maria. Ok, en réalité, on prend exemple ça. Il va mener moune à l'ombre de chaud. Par exemple, et pour fonti vacances si c'est pas en Haïti à la famille moun pa konnen pou menon l'autre pays là la Haïti c'est business famille là réglé est-ce que comment ça m'a fait jour là so go équipe ah Valerio il y en a bon OK on rete là pas de problème vous voulez prendre exemple ça on rete là OK on prend exemple ça mais mari à femme étrangère on connaît que oh madame moi vraiment fatigué le travail toute année en forme balon break bamjo ouais scénario ça sur moi là même scénario ça bam font argumentation avec même scénario ça attends mais beaucoup attends le par exemple yo bagaille madame là yo marié avec femme étrangère là tout au faut chercher mon vin nettoyer Kailan mais là c'est femme haïtienne c'est où pour nettoyer Kailan c'est où pour faire manger c'est où pour faire laundry c'est où pour fold the clothes c'est où pour faire toute bagaille vous êtes tous nos esclaves voilà ce qui arrive l'homme haïtien la plupart nous pas veut dire toutes mes amis encore Valérie Fonel faut ça même ou même tout doit parler faut nous bailler différence gagner exception à rien doit parler c'est ça moi ou doit parler se parler contre là ça n'a dit c'est que Valérie pas vrai garçon ça n'a pas parlé bon réponse au diable l'autre était fiant tant qu'on soit très bien d'accord pas un problème oui garçon il sort du monde d'accord bam fille étrangère dans son reine bam pour contre-pied son diable baba est-ce que tu sais que cette femme haïtienne dont tu parles qui vient dans relation avec garçon haïtien ça que nous dit qui pas bon qui traite femme comme esclave cette femme haïtienne justement se présente comme l'esclave elle se présente elle soit finir On l'a traite comme une esclave. Prends son pour qui t'aime parler, Kounia, parce que moi je fais ma femme fin fait pour net pour répondre. T'as l'autre à parler. M'tando. Ou soit dit à l'heure là que garçon haïtien traité mesdames en esclave, c'est bon, d'accord dit, y'a tellement pas bon, y'a prend femme haïtienne pour esclave. Cette même femme haïtienne a été éduquée chez elle. Toute petite, en petite fille, à servir son homme, à servir ce garçon haïtien, à servir l'homme haïtien, à être la bonne, à faire la nourriture, à nettoyer la maison, c'est ça la définition pour elle d'une bonne femme. Maintenant, quand elle vient, elle devient adulte et elle rentre en relation avec ce homme haïtien justement que préparé, il y a un programmé pour dire mais nègre, mais qui j'en voudrais elle. Oui, là, c'est ce qu'elle fait. Elle est disposée et même prédisposée à le faire. D'ailleurs, pour le nègre, d'ailleurs tu sais ça, caleçon blanc nègre, nègre parle avec caleçon, il parle avant rien. Caleçon, comme on dit, on a parlé, mais tu es trempé. C'est la femme haïtienne qui prend la responsabilité de le faire. Parce que pour elle, c'est la définition d'une bonne femme. C'est comme ça qu'elle a été entraînée. C'est cette mentalité, elle est levée dans la tradition ça. Tandis que la femme étrangère n'est pas comme ça, elle n'a pas de background ça. Qui j'en pouvais faire là? Femme étrangère est venue ou l'autre genre. C'est ça que fait. Non, ce qui est c'est ça que fait garçon haïtien hein? Et ça que fait me dire tout à l'heure c'est gens venir recevoir c'est ça que fait garçon haïtien hein? Recevoir femme étrangère là différemment monsieur femme haïtienne à sa disposition à ses pieds au chéri il fait manger pour lui d'ailleurs pour être une bonne femme haïtienne définition bonne femme haïtienne hein? Un plat chaud chaque jour laver pour mari ou fait tout bagaille ça pour mari bien que on dans l'autre pays ou dans l'autre culture ou dans l'autre n'a dire l'autre système social ou a fait même ça que apprendre nous petit c'est là que je suis avec toi et c'est ça que fait les femmes étrangères vini il pas venir avec bagage ça il pas venir avec mentalité ça c'est pas comme ça yoté traîné c'est pas comme ça yoté entraîné c'est pas comme ça yoté programmé garçon haïtien gon l'autre rapport avec elle est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça lié, garçon haïtien qu'on a réagi différemment. Parce que fils a tout vini sous garçon haïtien. Fille étrangère, m'a dit. Il pas venir avec mentalité, garçon haïtien pas bon, non? Il qu'on est next à rencontrer avec le tombé d'amour, whatever, que la relation avec là. He's a man, he's a good man, until, bah, il passe mal.
Sont des folies même la page Jean pour l'agir avec le gars haïtien ça le fait lui même retour quand il fait tout quand il en relation moi j'aime dire baba m'pas comprendre ça me dit this man is a good man, this man is a good man. Écoute. Because you know every time you meet a man not all men are the same so we don't categorize comme si generalize men saying that tout gars haïtien c'est même pas comprendre ça me dit là parce que ou pas d'accord on dit on peut conditionner nous comme ça nous même sommes haïtiens pour nous faire manger pour nous nettoyer caille pour nous tourner esclave nèg là pour nous connaître tout garçon haïtien pas bon yo tout dit nous ça tout oui yo tout maintenant tête nous garçon haïtien pas bon pendant y a pleuvé nous comme ça oui yo dit nous fais attention garçon haïtien pas bon yo réforme dehors yo dit yo dat c'est comme ça yo levé femme haïtienne non moi même moi qu'on a tendé grand monde comme ça yo toujours dit c'est pas vrai yo toujours dit comme ça que pas vrai garçon haïtien remet prend pile femme dehors garçon haïtien yo dit pas fidèle. Yo remet pour femme dehors mais garçon voilà. Haïtien son conditionnement lié mais mes amis qui t'a fin parler même Dieu mais garçon haïtien yo dit yo conditionné nous comme ça garçon haïtien yo toujours dit c'est bon provider bon provider m'a parlé de moi jusqu'à la preuve du contraire c'est toujours vrai c'est bon provider c'est toujours vrai mes amis laisse-moi finir jusqu'à la preuve du contraire c'est toujours vrai garçon haïtien qui soit côté et on voit petit dans plus gros l'école c'est garçon haïtien travaille dur pour petit l'école pas connier. Ah, c'est toujours la même chose. On ne peut pas être seul en garçon haïtien. Écoute, ou bien les affectés par l'environnement. En pile fois, c'est les femmes qui travaillent du coup. Ou bien les affectés. Ils font pas qu'être bagaille. Baba, ou so pas ba, bagaille tête nous. Ou affectés par l'environnement. Dans un moment, là, je ne parle pas d'avoir. On aide, un garçon haïtien qui peut-être pas garder là. Mais je dis là, depuis hier, elle a fait taxi. Depuis hier, elle a fait taxi. Il presque fait taxi à 24 sur 24. Pour qui ça? Parce qu'il faut l'occuper, madame. Ni. Et il faut pitié dans l'école. Il faut l'occuper deux femmes dans l'école. Il y a deux femmes dehors. Voilà. Ou bien, raison. Voilà. Okay. C'est justement conditionnement mental, ça. C'est parce qu'on conditionné pour dire ce qu'on dit là. Qui fait qu'on dit. Et pour dire à Mnegla, il doit se travailler, travailler pour l'occuper famille. Pour le voir pitié l'école. C'est exactement ça, Mabdoulin, qui n'est pas bon. Parce que femme étrangère dans lui-même, il doit avoir le même garçon, ça. Il va pas le dire, ça. Il va pas le penser, ça. Il va a priori qu'on est que notre tête dit que nèg ça son nèg qui gagne plusieurs femmes etc. C'est la problème nous conditionnons nous mêmes mesdames haïtiennes. En tout cas, pas croire que nous allons faire toute nuit dans parler de bagarre que peut-être ou pas comprendre. Non, moi je comprends en tout cas. En tout cas ça valait en retourner sujet c'est exactement ça. Moi même j'étais dans sujet, mettez dans sujet pour que femme haïtienne conditionnée. Et ben moi même moi j'étais dans sujet moi du femme haïtienne conditionnée. Conditionnement mental ça que le gagne, il fait que garçon haïtien lui-même ont leur comportement vis-à-vis de femmes étrangères là. Qui pas conditionné lui-même. Comment expliquer tout bon paquet son conditionnement culturel, les culturels, les traditionnels. Oh my God, you yell too much. Oh, yes, et you do. Et vous-même qui t'a pris l'empile là. Moi, j'ai fait mes bouches. Mais en tout cas, et garçon haïtien Valerio, grand pile là-dedans, qui prend femme étrangère, pas vrai? Pendant qu'on prend femme étrangère, guess what? C'est pas ça le sujet, papa. N'a pas les femmes étrangères versus femmes haïtiennes. Oui, eh bien, c'est garçon qui prend femme là, oui, gardons histoire. So, garçon haïtien, pendant qu'on prend femme étrangère, comment expliquer que tout? Pendant qu'on a dit comme ça que nous-mêmes, femmes haïtiennes, nous conditionnons, nous ne voulons pas, nous besoin de ceci, nous bouquons, nous jouons l'autre femme, parce que l'autre femme n'a pas la veille, nous ça fait caresse, et tête chargée. Tu as mal entendu? Guess what? Tu as mal entendu. Pour qui ça a grand-pile garçon et haïtien qui a fini pour femme étrangère? Et puis, vous style à chercher des femmes haïtiennes, peut-être qui ça. Vous besoin, vous manquez caresses femmes haïtiennes. Vous manquez bon manger femmes haïtiennes. Vous manquez pas les créoles, vous avez des gens qui dit, vous avez des gens qui ont dit, ah, je la balle avec la petite, je vais la bouquer. Ou bien, vous dites, oh, ma caille, moi, je dis, je dis, pour ça. Oh, formalement, je dis, du, madame, vous ne pouvez pas faire du, coller ça avec bagaille. Ou quoi, ça veut dire? Ça veut dire qu'un pile garçon haïtien qui propose pour femmes étrangères. Parce que dans le même contexte où vous dites là que femmes étrangères et puis bien, faut mettre je ceci, faut mettre je cela. C'est parce que j'ai dit, c'est parce que j'ai dit non plus. Il y a cherché femme haïtienne toute journée, toute la nuit. Ou très affecté dans le sujet, à moi ça, et c'est parce que j'ai dit. Ma rectifié pour mon Dieu, c'est parce que j'ai dit. Bah, j'aime dire ça. Moi, dit que femme haïtienne, majorité dans yo, yo vin avec un bagage traditionnel de perception de l'homme haïtien qui dérangeait foyer yo, qui dérangeait relation yo vis-à-vis de garçon haïtien. Bah dire garçon haïtien qui traite femme haïtienne mal ni que le traite femme étrangère mal non, c'est pas d'ailleurs le sujet, c'est femme haïtienne versus femme étrangère. Pendant que me fin dit ça moi dit femme étrangère dans lui-même, il pas gain background ça, il pas gain tradition ça, il pas gain bagage culturel, il pas programmé comme ça. Il vient en relation avec un autre programming, un autre programmation qui lui-même pas gain toute bagarre par l'empire ça yo que femme haïtienne a déjà gagné depuis le petit, puis on dit mais qui Jean Boulier pour garçon haïtien comme esclave comme on se dit tout à l'heure là, et en même temps tout garçon haïtien pas bon. Donc faut d'accord que quelque part mon travail qui pour faire au niveau du foyer, au niveau de la famille, côté que n'a levé timonio, nous même tous mesdames
pour ne pas perdre à répéter dans cette petite fille nous, que faire attention à garçon haïtien pas bon. Faut suspendre, faire tradition, continuer, passer tradition orale ça à petite fille nous, pour nous dire que garçon haïtien vagabond, garçon haïtien prend femme, garçon haïtien pas aimer travail. Au contraire, changer perception ça dans la mentalité petite fille nous. Changer perception mentale ça. Dis petite fille nous que garçon haïtien ça même j'ai pas peur, c'est bon garçon lui. Garçon haïtien ça c'est bon travailleur, c'est bon provider que pour que petit fils ça a une chance, l'elle rive dans relation au garçon haïtien pour pas déjà affecter que subconscient gétant imprégné de toute bail négatif ça le garçon haïtien pour l'elle parler vis-à-vis de garçon haïtien pour gon l'autre attitude vis-à-vis de lui. C'est ça qui passe femme étrangère là. Femme étrangère pas passé dans moule ça que n'a passé petite fille. En tout cas, grand pile garçon tout par exemple qui vient ici, OK Valerio. Là ou vient ici pour me bagaille ouais. OK pour yo ka senti yo welcome to America faut chercher une femme étrangère. Est-ce que sujet a, est-ce que sujet a, c'est pour qui ça garçon haïtien pour une femme étrangère? Attends, li toute bagaille la donne. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Sujet attends. A dit ce qui je sujet attends, lis le sujet. Sujet Valeu, a dit femme haïtienne versus femme exactement. Femme étrangère versus femme haïtienne. Sujet, on était dans sujet. Non, mais c'est garçon haïtien qui prend femme étrangère, ça me dit pas fait sens. C'est un garçon qui prend femme étrangère qui fait nous même avoir discussion ça. Qui j'ont affecté. C'est tout garçon haïtien parce que ou même même des sujets ça. Mais qui j'ont affecté. Même ça que fait me affecté, c'est pas. Même du bruit ça me dit ça. C'est parce que ou même on prend bala dans un garçon haïtien. C'est lui qui fait la mal, c'est mentalité, c'est garçon, c'est même mentalité ça, vous pouvez refléter là. Que garçon haïtien tellement pas bon, que l'aile profite étrangère, elle traite le plus bien. C'est pas ça le sujet. Sujet à Barbara, c'est qui sa femme haïtienne qui est la Kaili et qui sa garçon, ami, femme étrangère qui est la Kaili. Évidemment, par rapport à un garçon. Donc si garçon a lui-même. Nous n'avons pas besoin de discuter encore. Ça ne fait pas sens. Un sujet, c'est globalement, il faut prendre dans tout coin. Ou pas qu'à vouloir dire que c'est un petit bagage comme ça pour parler. Soit parler de différence entre femme haïtienne et femme étrangère. Faut parler pour qui sa garçon haïtien plus voulait ça qui prend femme étrangère. Pour qui ça prend femme étrangère. Ça me dit, so, what are you saying? This doesn't make sense. I'm saying to you que. Un paquet de garçons pendant le temps en Haïti, yo peut-être qu'on a regardé des movies, yo qu'on a pour femme claire, femme cheveux longs, femme ceci, femme cela, yo pas de gagner en Haïti. Là on vient ici, premier bagage yo est valeur pour faire, c'est prendre une femme ou bien européenne, ou bien blanche américaine, ou bien l'autre femme étrangère ou pignol, whatever. Soit dit à la, il paraît pour la femme. Attends. Il n'est pas spécifique à garçon. Il y a des femmes haïtiennes qui font même pas. Les garçons sont faits. D'ailleurs, depuis en Haïti, il y a déjà des femmes. Ou quand ça fait femme, ou quand ça fait femme haïtienne, qu'on a commencé à jeter un garçon étranger. Parce que femme haïtienne. Parce que garçon haïtien pas bon. Parce que garçon haïtien pas bon. En bas garçon haïtien. Voilà, voilà. Mais tellement pour un bas garçon haïtien, qu'on a la peau diable, il y a obligé à ouvrir. Un petit peu, je capable de dire monde, là, côté que je dis bon, ok, mes amis, nous n'avons pas le choix, nous, c'est avec un garçon haïtien, nous t'avons fait vivre nous, mais malheureusement, et d'après expérience, ou bien, ou comment ça m'a fait du là, côté monde, ça, il dit bon, bah, ou bah, étranger, on chance. Mais fille haïtienne, non, Valerio, normalement, t'as plutôt avec un garçon haïtien qu'un garçon étranger. Soit dit, hein, permettez-moi de dire ça, Barbara. Mais garçon haïtien lui-même, non. L'a cherché pour le montrer. Vous comprenez, femme ça, vous comprenez, je nous, une plus belle femme. Mais vous ne pouvez pas avoir de garçon qui est une femme haïtienne, ça, vous pouvez faire. Vous pouvez pour une femme étrangère. Vous pouvez montrer une femme, oh, regardez, vous êtes quitté là, regardez ça me joigne. Regardez qui ça me joigne, Gounia. Ou étrangère. Et puis pendant ce temps, petit, il faut que j'ai la bouille qui est pour l'occuper étrangère. Là. Bah, elle a fait pour étrangère là, et tout ça, elle peut faire pour la faire pour étrangère là. Ok? Tu as fini. J'ai fini, vas-y. Ok. Je pense que ce qui est arrivé, Barbara, et qui peut-être peut aller refléter dans la vie, ça, et peut-être qu'un pile, on a posé cette question. Qui genre de garçon haïtien que Barbara a gagné dans la ville? T'es gagné dans la ville ou gagné dans la ville qu'on y en a? Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que ou tellement affecté par justement par mentalité affecté, négative. Son sujet m'a discuté. So don't even get there. Bam fini. Soit parler de ma petite parler, et puis à ce moment-là, je connais que Marie va parler. D'accord. J'ai la parole maintenant. D'accord, j'ai la parole et je parle, exactement. Si je parle, Barbara, il faut m'écouter parler. Ce que je veux dire, et je le dis pour toutes les femmes qui veulent l'écouter, je le dis très fort d'ailleurs, mesdames haïtiennes, malchance pour nous, les nous tapent lever, ils levent nous avec une prédisposition, une programmation vis-à-vis de garçons haïtiens qui sont négatifs, que faut nous changer, que je dis à m'passer, nous avons chance toujours pour nous changer. Maman yo kap leve petite fille. Société a qui dit même tout, eh ben a gardé petite fille kap leve, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger ou bien dans pays étranger justement côté gon l'autre style de société. Faut suspendre, imprégner dans tête petite fille nous. Suspendre imprégner dans tête femme haïtienne en général que garçon haïtien au prime abord pas bon. C'est très mauvais.
Et c'est ça que nous avons fait comparaison aujourd'hui, c'est sa beauté sujet. Hein? Nous avons fait comparaison vis-à-vis d'une femme étrangère, parce que femme étrangère, elle-même, comme elle n'est pas sortie dans le même moule avec nous, elle n'a pas dit ça au départ, elle a une relation avec un garçon haïtien. Elle n'a pas plusieurs femmes qui ont elle dit, mais attention, un garçon haïtien, mais qui est un garçon haïtien. Donc, elle-même, elle vient avec toute cœur. Elle vient avec une autre prédisposition vers garçon haïtien. Hein? Et garçon haïtien recevoir en tant que tel. Mm-hmm. Ma parole en général, c'est vrai qu'il y a des spécifiques, il y a des cas spécifiques côté garçon haïtien qui ont peut-être défaut par yo, et ben yo fait ça yo pour yo fait anyway comme garçon. Mais je parle en général, je parle de cette mentalité de femme haïtienne qui fait tout le monde comprendre que garçon haïtien pas bon. Et me penser que c'est plus gros tort que n'a fait dans la société ça mesdames. Changer attitude ça. Nous avons un problème avec Marie, nous la caille nous. Nous avons un problème avec peut-être nèg Gonavel là, mais pas dire que c'est garçon haïtien pas bon. Bon, problème nous gagne nèg là spécifiquement, c'est qu'un problème qui par rapport à nous-mêmes, oui, c'est qu'un problème qui sorti dans nous-mêmes. C'est qu'un problème qui sorti dans nous tous les deux. C'est qu'un problème qui sorti dans l'environnement nous. C'est qu'environnement social nous c'est qu'un stress la vie qui fait nous gagne problème. Mais pas mettre le sous dos garçon haïtien parce qu'a priori, garçon haïtien que me connaît, garçon haïtien qui levé que me connecte à plus vent Haïti qui jusqu'à présent dans foyer, dans famille haïtienne qui a pleuvé, c'est des garçons qui apprennent à prendre responsabilité, protéger foyer, prendre responsabilité vis-à-vis de petit. Il y a pile garçon haïtien qui petit dehors qui prend soin petit yo, qui occupe petit, qui pas ouais pour larguer petit n'importe qui gens. Il y a garçon haïtien qui prend responsabilité, qui fait même jour ça tout à l'heure là, qui fait s'il le faut pour yo faire 24 heures à conduire taxi là. Pour y a battre factory là, pour qu'a occuper famille, il y a fait. Yo gen famille en Haïti, yo occuper famille ça yo, yo k'a voye transfert en Haïti, pour occuper petit deux gen, pour occuper petit famille gen. C'est garçon haïtien qui be foyer là. Donc pas qu'a dire que même valeur ça que moi connais que qui gen la caille moi, qui traditionnellement attaché avec l'homme haïtien, jodi a parce que il y a des expériences que nous faisons nous-mêmes mesdames ici aux États-Unis parce que nous sommes pays étrangers basés sous des pressions sociales ou bien sous gros pays ça au pays développé tout gain petite pression bah oui dans foyer et ben par rapport à ça nous regretter nous déclarer garçon haïtien en général pas bon ou bien garçon haïtien mais ça yoyé mais qui j'en yoyé c'est ça que fait on a fait sujet ça aujourd'hui à là nous fait parallèle là et m'a pour dit même ça me t'a dit depuis le début du sujet l'aime parler de femme étrangère là que sont blancs que sont panyol que sont africaines. L'elle vient dans relation garçon haïtien, li pa wèl comme ça. Li wèl par rapport à tradition pâle. Et tradition pas femme étrangère là, yo pas dit depuis petit que garçon haïtien pas bon. Yo pas dit que garçon en fait ça, que garçon fait dit que garçon pas fait ça. Li vini ouverte, li vini avec une mentalité différente et relation différente, c'est ça que fait alors dit que garçon haïtien traité fille étrangère pi bien. Et parce que fille étrangère vient sous garçon haïtien avec une autre mentalité. Vous comprenez? C'est ça qui arrive oui en quelque sorte. Mes amis, on essaie ouais, c'est ça. C'est ça quoi ou même c'est ça obligé. C'est pas ça quoi, c'est parce que même basé ouais argument sur faire là, basé sur réalité, sur réalité socio traditionnelle, sur tradition dans société noire. Côté que je levé nous comme ça, nous même femme haïtienne et toute femme qui peut-être qui gagne ami, on nous dit on groupe femme qui chez ton côté qui a parlé. De qui ça a parlé? Évidemment dans conversation, il y a garçon là dedans. Et pendant qu'il a parlé de garçons haïtiens, oui, c'est femme haïtienne, oui. En majorité, commentaire que vous avez fait de garçons haïtiens, là, à 90% négatif. Pour qui ça? Have you Haitian men ever wanted to change that? Well, then you guys should change that. Think about it. Femme, you're pas folle, et ça m'a dit. Femme haïtienne, elle est pas une femme folle, elle est valérieuse. Moi, je comprends ça. Because these days, guess what, valérieuse? A lot of Haitian women are very educated. They make a lot of money. They're not going to put up with a lot of nonsense from all of you Haitian men that think you're going to come up and dish those nonsense. C'est ça qui So, I have to tell you, et ça fait l'homme tout comme ça que, par exemple, fille étrangère, pas prête ton là, et l'homme où n'en rive, Valerio, la fille étrangère, elle compte comment pour le comporter là, I really mean it. Et c'est fille étrangère tout qui vient montrer, fille haïtienne, look how this man is treating me. If the man is treating me like that, honey, you have got to be like me. And then he is definitely going to think of you and treat you differently. Bambo, ça qui passe, femme haïtienne. Elle vient ici, les jeunes au travail que le pas de penser le tap jeune dans le pays. La fait quoi que le pas de penser le tap fait dans le pays. Immédiatement, dynamique familiale l'a changé. Les sentit plus femme que femme. Les sentit que Kounia là, c'est les femmes qu'elle est. Très souvent, malheureusement, nous comptons ça. Il y a deux fois, femme yo fait plus scope que garçon yo. Donc là pour une société, une communauté haïtienne qui a PC, ouais qui Jean Capral, li ka balance tête pour le prendre pied. Garçon haïtien en foyer, gain deux fois, li gain c'est le job man on le fait qui pas peut-être
qui peut-être pas mettre le même niveau financier avec femme là, parce que femme dans lui-même au niveau social, au niveau d'ailleurs n'a regardé dans workforce, mm-hmm. surtout dans health et dans domaine médical là, mm-hmm. pile femme qui envahit domaine ça. Mm-hmm. Donc il y a plus qu'obla donne. Donc femme ça a gain dollar non mais il y a moyen plus que garçon. Et ben depuis là, femme du relation garçon haïtien traditionnellement, relation que nous connaît la caille nous, il écrasé depuis là. Parce que femme haïtienne là, il même tout tête il monté. Les pantins sous ça que le pas habitué gagner et puis bon l'autre comportement à garçon en caille là. Mm-hmm. Est-ce que tu vois? Il y a tous ces aspects à prendre. Moi c'est aujourd'hui à nous faire sujet pour nous deux. C'est pas sérieux parce que dans pile commentaire on a les commentaires parce que il faut quand même que nous quitter mon participer malheureusement, c'est ça idée hein. Mais nous t'étais très intense dans échange parce que moi personnellement moi pas comprendre ça m'a dit là. Parce que moi mal loin avec ou baba. Mali... En tout cas, mesdames dit anyway tant que femme étrangère aurait même humilié garçon et tout. Qu'un fois pile fois humilié négro mais négro pas venir apporter ça parce que il y a beau des filles étrangères là pour monde connaît que y a des femmes étrangères ça c'est vrai. Prenons plaisir à vous présenter des maisons disponibles cette semaine sur le marché de l'immobilier dans la zone métropolitaine de New York et de Long Island. Gardons Kai dans Baldwin, Long Island. 3 bedrooms, 2 full baths. Kai ça a un bel plancher, living room, formal dining room. Il a une cuisine moderne avec granite counter, stainless steel appliances. Toilette neuf, Kai a un sitting room qui est capable de convertir en 4e chambre à coucher. Full finish basement, basement en bon condition. Atikyo en bon condition tout. Large fence yard, la cour clôturée. Two car garage. Demandez seulement 419 000 pour Kaisa. Rele, Barbara ou bien Valerio pour faire visiter Kaisa qui est dans Baldwin, Long Island. Kaisa lui-même dans Queens, Jamaica. Trois chambres à coucher. Trois toilettes complètes. Basement la fini entièrement. Kaila rénové. Roof la tête Kyle neuf, nice floor, bel plancher, cuisine la neuf, li moderne, full bathroom on each level, toilette moderne, basement la fini et li gen porte entrance par li indépendant. Water heater en neuf, boiler à li même en très bonne condition. Kaisa pas trop loin transport public, li pas loin autoroute, li à quelques minutes de JFK Airport. Yo mande seulement 485 000 pour Kaisa. Rele Barbara Saint-Louis ou bien Valerio Saint-Louis pour être capable de montrer au Kaisa qui est capable de l'eau chez maître, chez maîtresse. Roosevelt Long Island, Baldwin School District. Kaisa sont style high range. Tikatia bien quiet. 4 chambres à coucher, 2 toilettes complètes. Toiture Kaila neuf. New siding, wood floors, bel plancher, cuisine moderne, toilettes en bon état, ou kay en bon état. Yon bel garage kon nou ka pake 2 machines. Yon bel galerie deck tout neuf fait construit. Yon bel lakou, bel lageur ou lakou kon nou ka fè bel fête, bel barbecue. In-ground sprinkler system, système automatique pour arroser plant yo. Ça, c'est yon bel deal kay ou pa ka rate. Kay sa disponible pour seulement 509 000. Rele, Barbara ou bien Valerio Saint-Louis pour yon faut visiter kay sa et puis tout pour yon ka remettre tout le kay pour la. Dans Valley Stream Long Island, gon bel condo en vente dans Dutch Gate North Valley Stream, dans deuxième étage. 2 chambres à coucher, 2 toilettes complètes. Dans condominium ça, en total, gen 5 chambres. Gated community, sécurité tight.
bel salon, bel plancher, salle à manger, cuisine moderne tout neuf, stainless steel appliances, granite countertop, toilette yo impeccable, bien propre et moderne. Master bedroom nan, gon bel toilette la dani. Deuxième chambre nan condo à grand, avec un bel petit terrasse, central air. Condo sa charge à closet la dan, washer dryer unit. Ou gen accès avec piscine chauffant, gym, pool table, espace pour recevoir moun avec un bel aller koto café la marche ou bien café ti jogging ou le matin. Pour condo sa, yon mande seulement 403 000. Rile Barbara ou bien Valérieux Saint-Louis, puis yon fort visite condo sa et puis tout pas jamb konnen, yon ka tout remet tout clé. Yon nan kay sa yon déjà paré ap tan nou pour yon chez maître, chez maîtresse. Si nan moment, si loué kou ap loué, ou ka achete yon nan kay sa yon? Ou pense kou gen mauvais crédit? Ou pense? Ou pas j'aime qu'on ou qu'a acheté une dans Kaysa, oui. Lit très facile, René Valério Saint-Louis dans 516-805-5410. Ou bien, Barbara Saint-Louis, madame, oui, dans 516-805-2318. Deux mondes sérieux, qui a servi communauté depuis longtemps. Et puis, c'est monsieur et madame, y a mettre ensemble pour y'a fort jouer une caille pour là, quand on voulait, dans condition on voulait. Pas oublier, René Valério Saint-Louis, 516-805-5410. Ou bien, Barbara Saint-Louis, 516-805-2318. Valério et Barbara Saint-Louis. The Real Estate Power Couple from Wykert Real Estate Quality Home. Terrain à vendre dans la commune Gressier, arrondissement de Port-au-Prince. Land for sale in Gressier, Port-au-Prince. Terrain pas trop loin de la route nationale numéro 2 et avec une belle vue sous la mer. Dimension pour ce terrain, c'est 34 848 m2 36. Soit 3 hectares, 48 arts, 48 centièmes 36. Soit 2 carreaux, 70 centièmes. Terrain ça, l'ipouvane dans une zone qui fait qu'à développer dans Gressier. Je n'ai pas regardé là. Terrain ça, c'est lui-même qui a plus pied bois dans la zone là. Il saute en bas, arrivé sous tête mon là, côté que nous joignons, un bel panorama sous belle Port-au-Prince. Terrain ça en vente avec option pour acheter le par morcellement. Sont intéressés, relez dans 509 34 03 10 33. 509 33 94 63 90. Superbe terrain en vente dans la commune Gressier Port-au-Prince. Pour plus d'informations, une autre fois, relez dans 509 34 03 10 33. 509 33 94 63 90. Ou bien contactez Téléimage. This is Shaba from Jacques number 1, mon New York City, nous va égarer. Nous en qui caimier là. Baba Araba Femri. Vin acheter, vin fait comme ça si bon même j'avais même dans boîte pas fait là fait même j'avais même j'ai ça pour clarité tout pour sentir bon. Bow. La parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'il faut pour vous, mesdames et vous aussi, messieurs, lorsqu'il s'agit de cadeaux et de senteurs exotiques de parfums en provenance de Paris et de la ville de Grasse. À la parfumerie de Barbara, vous trouverez des parfums de grand nom et de renommée internationale pour hommes, femmes et bébés. Oui, parfums pour bébés. Sentis bon coûte cher, c'est vrai, mais avec la parfumerie de Barbara, sentis bon au rabais. C'est comme ça, soit acheter un parfum, il y aurait tiré 10 dollars sous l'ibou, soit acheter deux parfums même, il y aurait tiré 25 dollars. Dans la parfumerie de Barbara, n'a besoin de meilleur produit de beauté, parfum qui sortit directement dans le pays, la France. Déodorant, Obao, Prétil, Bourgeois, Fa, Rexona, Bien-être, Fenjal, Poudre Bourgeois même à gogo dans la parfumerie de Barbara. Crème pour le corps, Mixa, Belda, Montsavon, Bourgeois, gel de douche, de grand nom s'il vous plaît. Visitez la parfumerie de Barbara au 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ou bien appelez Barbara au 516-805-2318. Rappelez-vous, la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. Ladies and gentlemen, come on, let's make some noise, let's make some noise. Yes, yes. Attention, attention, Wilson par lui-même, attention Wilson. Attention Wilson, parfait ça Wilson. J'ai l'esti l'honneur de vous présenter la toute première fois. Ready? Yeah. We'd like to ask all the paparazzi to please step aside. Isn't she beautiful? She's looking gorgeous. She's looking gorgeous. Mr. Fosse, give us a Haitian kiss. Let's see this. Seriously, let me see that. We want to see that. We want to see that. Oh, yeah. All right.
Mesdames et messieurs, monsieur marié sa chère maman avec beaucoup d'émotion. Terrain à vendre à Port-au-Prince, à la rue Lamar numéro 12. Terrain situé tout près du petit séminaire Collège Saint-Martial. Les dimensions du terrain sont de 15 pieds ou 4,87,5 m et la profondeur du terrain est de 59 pieds 4 pouces ou 19,30 m. Terrain Sanabgadela, Lipouvan, Linan rue Lamar numéro 12, tout collé à petit séminaire Collège Saint-Martial. Li sous même route qui menait devant Ciné Capitole prolongé à Souchan Mars Palais National. Terrain ça en vente, rue Lamar numéro 12, tout collé à petit séminaire Collège Saint-Martial. Sont intéressés à acheter ou bien garder terrain ça, relez dans numéro de téléphone ça 509 34 03 10 33. 509 33 94 63 90. Land for sale in Haiti, Port-au-Prince, rue Lamar numéro 12. Sont intéressés à acheter terrain ça, pas oublier, relez dans 509 34 03 10 33. 509 33 94 63 90 ou bien rentrez en contact avec Téléimage.